Coucou les gars, j'espère que vous allez bien vivre le vlog. On est au Brésil, Rio de Janeiro, à Copacabana. Donc là, je suis toute seule, mais il y a Manu qui va me rejoindre ce soir. Ouais, ce soir, elle sera là. C'est ma première fois, je suis tellement contente. Là, je suis à l'hôtel et l'hôtel est génial, franchement. Voilà, je vais prendre mon petit déjeuner, servir un déjeuner, mais extra, il est énorme. Donc je vais me poser, je vais prendre mon petit déjeuner et je vais savourer tranquillement. Petit déjeuner, je vais trop bien manger. Mon acolyte m'a rejoint. Voilà. Hello. Après 24 heures sans elle. Survie 24 heures sans elle. Allez, c'est bon. C'était trop dur. Bref, là, on sort. On va aller manger. En espérant trouver. En espérant trouver un restaurant local. Dans 3 heures, je sais pas. Mais on est au Brésil, là. On est au Brésil, donc on va trouver. C'est quoi? Ah, c'est bon, let's go. Let's go. Few moments later. Quelle déception. Oh, non. Quelle déception. Pourquoi? En fait, on est sortis là pour aller chercher à manger pas loin de l'hôtel. Et bon, on est sortis un peu tard, c'est vrai. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de son, c'est quasiment fermé. Mais c'est calme. C'est calme. C'est pas animé. C'est pas animé, donc j'espère que demain, enfin normalement demain on a un programme de bien, donc on n'a pas défini notre programme. Non, on n'a pas encore défini le programme, mais en fait on s'est rendu compte qu'on ne peut pas sortir juste pour aller marcher comme ça, non. Il faut vraiment sortir dans des bons endroits. Donc du coup là on rentre, on n'a pas mangé, moi j'ai mangé à 15h, Manu elle a mangé dans l'avion. On va essayer de voir si on peut commander à manger là, en ligne, et puis voilà, puis demain on commencera les vraies activités. Mais voilà, pour la première soirée, enfin première journée complète à Rio, personnellement moi, j'avais peur parce que j'attendais que Manuel arrive. Mais maintenant qu'elle est là, il faut qu'on fasse un plan d'attaque. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. On est samedi et c'est vraiment notre premier jour officiel. Bon, moi je suis là depuis hier, mais hier c'était vraiment un carnage. Laissez tomber et on n'a pas trouvé de resto. En fait, comme nous on sort au hasard et qu'on ne connaît pas, et ben on a rien trouvé et puis on est sorti trop tard, donc on n'a pas mangé hier. Mais aujourd'hui il y a une bonne journée qui s'annonce. Il y a Luis, mon pote, qui va venir avec son pote. Du coup on va passer la journée avec eux et normalement ça devrait bien se passer. Donc là on s'est fait berl, regardez comme on est pimpante. Attendez, je vais montrer. Viens Manu. J'arrive. Viens monter les outfits. Attends, là c'est mieux. Check. Alors moi je porte une robe de chez H&M avec mes Birks que j'ai tout le temps. Et toi, qu'est-ce que tu portes, Manu? Moi, je porte une robe de chez Bershka et des fausses Birks. Voilà les Birks, voilà la tenue. Franchement, très belle en Versace. Voilà, on attend qu'ils arrivent, comme ça on sort et on puis. On attend. Et puis on commence la journée en espérant que ça va être vraiment une bonne journée parce que hier là. Ça va être, ouais, il faut que j'appelle les bonnes choses, voilà. Ça va être une bonne journée et voilà, je vais essayer de filmer parce que j'ai un petit peu peur. On m'a tellement dit ouais, ton téléphone faut pas le sortir et tout que j'ai peur de filmer dehors en vrai. Donc je vais filmer au point touristique, mais je vais pas filmer tout non plus parce que si je perds mon téléphone, je pleure. Tu vois, moi si je perds mon téléphone, hein, les vacances sont gâchées. Donc le but c'est de le garder. Donc voilà, j'espère que ce voyage va vous plaire. En tout cas, j'espère que ça va nous plaire déjà. Et voilà. À tout à l'heure. Et ils sont pour mes amis. Pour mon vlog, regardez. Donc avec Flynn, Luis, voilà, Emmanuela. On est à la plage. Regardez comment c'est beau. Wouhou. On a pris à manger. J'ai eu. Elle a rien pris, Manu. Quoi? On va manger. J'ai trop faim. Alors, on est où là? C'est quoi le nom de ce Escadaria Celarón. Escadaria Celarón. Celarón. C'est là que Michael Jackson a fait le coup, non? Est-ce que Michael Jackson fait ce. Também. Ça va lui bien? Ouais, regardez, en fait, elle démarche jusqu'à. C'est vraiment grand.
sympa ici, j'aime bien. Motocao. C'est tellement apaisant. Alors les gars, là on va au musée d'Amagne qui est juste là. Donc on va visiter, franchement c'est top. C'est top, on profite bien, on kiffe. Franchement, moi je kiffe. Manu, tu kiffes ou pas? Je kiffe. On est un petit peu fatigué, mais ça va, franchement. Mais trop bien, on est parti là où il y avait les marches là. C'est la Rhône. Hein? Est-ce qu'il y a la Rhône? Est-ce qu'il y a la Rhône? Est-ce qu'il y a la Rhône? C'est la Rhône. C'est la Rhône? Eh, ok, non, mais on dit, et je t'avamos. Les escaliers. Escalera, c'est la Rhône. Voilà, on était là-bas, on a pris une capilligne et on a un peu marché, on est parti se poser dans un café et là on va à ce musée. Là ici il y a Luis. Coucou Luis. Luis il est fatigué le pauvre parce qu'il vient de Sao Paulo. Il est venu exprès de Sao Paulo pour venir me voir. Si ça c'est pas de l'amitié, ça c'est de l'amitié, ça c'est de l'amour. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Je suis fatigué, mais ça va. Voilà. Ça vaut le coup. Et des amis comme ça. Voilà. Regardez le cachorro. C'est magnifique. Ça c'est trop beau. Oh là là. C'est plus tard. Few moments later. On se sent pas trop en sécurité. On se sent pas trop en sécurité. Comme on peut dire que le chauffeur là il conduit pas. Les chauffeurs ils s'en foutent de notre sécurité. On n'est pas en sécurité là, franchement. Il n'y a que nous qui stressons. Les garçons ils sont voilà, les garçons ils sont au calme. Ils respirent bien. Non, 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 on a peur. Fatigué. On a fait beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'on a vécu deux jours
En un jour, franchement, avec le jet lag et tout, avec toutes les activités qu'on a faites, on a bien mangé, on a découvert des trucs. Et franchement, le peuple brésilien là, ils aiment trop faire la fête. Franchement, ils aiment trop faire la fête, ils sont joviales. Bref, c'était une super, super journée. Là, on rentre à l'hôtel. On a pris un Uber, on rentre à l'hôtel, on dort. Et demain, il y a une grosse journée aussi qui nous attend. Donc, Et puis ma robe s'est cassée aussi au passage. Heureusement qu'elle s'est cassée que là, parce que sinon j'aurais été un peu dans l'embarras tout le long de la journée. Mais ouais, c'était super. Donc on vous retrouve demain pour la suite de cet épisode avec Manu. Bye bye le vlog. Ouais, Manu, Mara et compagnie. Les gars, c'est comme ça qu'on ouvre le deuxième jour. Bon. Voilà, on va aller voir le Christ Rédempteur. Ouais. Donc pour l'occasion, c'est habillé en blanc. Ouais. J'ai recopié Manu. Ça c'est la vérité. Manu s'est habillé en blanc, donc je suis habillée en blanc. Pour aller voir le Christ, tu vois, blanc, pureté. Voilà. On va faire un outfit check dans deux secondes là. Outfit check, Manu, qu'est-ce que tu portes? Un ensemble de chez Poulainière. Moi je porte un haut de chez Chine et un pantalon que ma tante m'a offert, je sais pas bien d'où. Et mes sandales blanches. Manu toujours avec ses birks. C'est Dark Blanche. Alors non, c'est habillé en blanc. On s'est habillé en blanc. Mais regardez Luis. Blanc. Blanco. Ah là là, connexion. Prends goûter du pain de queijo. C'est trop bon. J'aime beaucoup. On va prendre le train pour aller au Christ. On va aller voir le Christ. Vous rendez compte qu'on va voir le Christ. Comment se sent? Comment tu te sens? Bien. Bien. T'as hâte? Yes. Toi, tu as déjà vu, toi? Ah oui. On a trop hâte. Hein. Mais ouais, nous on a trop hâte, c'est la première fois. L'une des 7 merveilles du monde, hein. C'est l'une des 7 merveilles du monde? Pour de vrai? Oui. Il y a quoi dans la liste? Je sais même pas. Peut-être que c'est là-haut, les gars. Alors, on va faire une photo. Hola! English, Portuguese, Français. Bonjour! On y est les gars, on y est presque. On y est presque. Chez Gamos. On arrive. Il y a encore beaucoup d'escaliers ou pas? Regardez. Incroyable. Regardez-moi ça. Incroyable. Ah, regardez les singes. Il y a un singe. Ouais. How do they come from trop, where? Trop bien. The jungle. Forest. C'est un rêve les gars, c'est un rêve. Un rêve éveillé. 7e merveille du monde, c'est ça? Ouais. Et bah regardez-moi ça, c'est tellement beau. Welcome to Brazil.
Regarde, on va manger un churrasco. Incroyable. Regarde-moi ça. Voilà. J'ai trop faim. Pas trop. 8e merveille du monde. 8e merveille du monde. Le churrasco. Il faut pas que tu aies. Churrasco. Churrasco. Ça rend bien le concept. Voilà. La plage. C'est incroyable. Bah, je m'aime pas, mais on fait des photos. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Vous voyez ça, le coucher de soleil là? Trop beau. Incroyable. Venez à Rio. Venez à Rio. Venez à Rio. Venez à Rio. Oui Manu, vous voyez quand vous partez en voyage et qu'il y a toujours une copine qui fait bien les photos des gens. Mais je sais faire les photos. Et l'autre qui fait mal. Voilà, c'est ça, c'est Manu, je la fais bien en photo. Je lui montre comment je fais mes photos. Hein. Elle me fait des photos moches. C'est faux. Non, elle me fait des photos moches, c'est la volonté de me nuire. Même pas, elle me dit, ouais Mara, les seins sont comme ça, il faut dire. Tu dis rien. Elle dit rien. C'est faux. Franchement, elle abuse. Elle abuse, pas grave, je fais des selfies du coup à la place. On a pris un açaï. 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 C'est un brasileiro. Alors regardez, on s'est fait pimpante pour aller manger une pizza. Je rigole. Mais pourquoi? Pourquoi tu rigoles? C'était en plus différent, c'est pas. Ah, t'as compris, moi? D'accord, ok. I was just saying that would just so nice to go eat a pizza. Je rigole, it's okay, I'm just okay. I'm joking. Pizza de calamar. Non, la calamar. Calamar? Le autre. Camarões? Calamar. Crevette? Crevette? Crevette. Oh! Crevette. Yeah, we are in Rio de Janeiro. Yeah. Hello, friends. Melhor do que isso. Não. É bom. Obrigada. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Non. It's good. Ketchup avec la pizza. Non. C'est quoi ce qu'elle fait là? C'est brésilienne, tu vois. C'est good, c'est good. Brésilienne en carioca. C'est carioca. Vas-y, goûte. Non.